si j'ai la maman et qu'elle soit fière de moi. Avancer pas à pas, ouais, c'est ce que je voulais faire. Pas grand chose. Enfin, j'ai pas fait exprès, je te promets. Pour un con, y'a pas grand chose. Ah, frérot, je l'ai pas vu le mur. Tu sais, j'ai une franchise de 3000 euros sur ça, tu le sais. Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Sully Prono. Vous avez été nombreux à me demander qui c'est ton pronostiqueur. Eh ben, la réponse, elle est là, c'est Sully Prono. Ça fait des mois et des mois que je le suis et grâce à lui, j'ai encaissé des milliers d'euros. Donc comme je suis généreux, je me devais de vous partager l'offre qui est en cours avec Sully Prono. Vous avez pour 1 euro accès à tous les pronostics, donc profitez-en, c'est 1 euro symbolique. Et puis si ça marche pas, tant pis, vous avez rien à perdre si ce n'est qu'un euro. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée sur son talent et ses pronostics et pourquoi pas continuer avec lui si vous êtes satisfait. Le lien de son Telegram est en description. Pour jouer, il faut être majeur et non mineur. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Ciao. Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis en compagnie de Simon. 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 La vidéo, il faut qu'on fasse la vidéo. Bien, bien, on va faire la vidéo, bien. Donc les amis, comme vous pouvez le constater, Simon est atteint d'un trouble mental. Et en fait, sa maman, elle nous a appelé parce que justement, Simon se fait embêter et se fait racketter à chaque fois qu'il va dans un endroit spécial. Simon, viens, il faut qu'on fasse la vidéo. Viens Simon, Simon. Après on part là-bas si tu veux. Donc les amis, vous l'avez compris, Simon il est instable, il est très dur à contrôler et... Le truc, c'est que je peux même pas le toucher parce qu'il aime pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'endroit où Simon se fait embêter. On va lui mettre un micro et on va lui dire simplement de faire sa vie comme il fait d'habitude pour voir si la personne en question va le racketter et comment. D'accord? Si cela se produit, on fera en sorte qu'il n'embête plus jamais Simon. Et comme ça, Simon sera tranquille et sa maman aussi. Mais aujourd'hui, on va faire en sorte que les choses changent et que Simon puisse vivre sa vie comme il devrait la vivre convenablement. Simon, allez viens, on y va. On va au parc? Oui. Allez viens. Oh Simon! C'est le péage, c'est le péage! T'as oublié le péage? J'ai pas le péage. Si, il y a le péage. J'ai eu du petit péage. Ta maman t'a rien donné? Non. Mais pour le péage, il faut quand même. C'est les cigarettes, la maman. Mais quoi? Les cigarettes? Oui. Mais moi aussi, il faut les cigarettes. Tu veux, je viens acheter avec moi? Ben non, sinon tu payes le péage et puis après, après on se rejoint plus tard. Pour aller acheter les cigarettes, il faut d'abord passer par le péage. Cigarettes, maman. J'achète pas les cigarettes, maman. Je le sais quand même, tous les jours, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Tous les jours, c'est 20 euros, c'est le péage. J'ai pas 5 sous. De quoi? J'ai les sous que pour acheter les cigarettes à maman. Eh non, justement. Fais voir. J'ai pas. Si tu n'arrives pas à acheter les cigarettes. J'ai dit. Monsieur, tu as. Non. Allez. Non, laisse-moi tranquille. Péage, Simon. Non. 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 Touche pas. Mais ça, on les sous. J'ai pas de sous. Pour le péage. J'ai pas de sous. Ils sont où les sous pour le péage? J'ai pas. Ils sont où les sous, Simon? Ah, ben voilà les 20 euros. T'as que ça? Tiens, c'est quoi? Lève tes chaussures. La prochaine fois, tu me feras mon départ, t'as 5 sous. C'est bon? Vas-y, à demain. N'oublie pas les 20 euros, hein. Vas-y, retourne là-bas, retourne là-bas. Retourne là-bas, je t'ai dit. C'est vrai que tu as voulu me faire le fou. Moi, je te parle. Comment ça, tu veux me faire le voyou? Tu veux me faire le voyou? Tu veux me faire le voyou, moi? Oh, tu prends pour qui? J'ai peur, maman. Oublie pas, demain, pareil. Hein. À la même, hein. Les 20 euros pour le péage. Go. Oh! Oh! Tu fais quoi là? Comment ça tu fais quoi?
quoi. Tu fais quoi? C'est mon collègue, tranquille. On rigole. C'est ton collègue? Ah ouais. Ça va, Simon? Simon? Viens, regarde, c'est moi. Vas-y, arrête. Simon! Arrête de rigoler là, c'est allez, moi. Simon. Allez, c'est moi, regarde-moi, regarde-moi. Simon! 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 C'est moi. Oh, oh! Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu joues. C'est ton pote? C'est ton collègue? Ouais, je passais là, comme ça, je sais pas, j'ai vu par terre, je sais pas, t'es arrivé, on dirait que tu le connais du coup. Bah oui. Je le connais, bah viens, viens avec moi, viens. Pourquoi je viens? Viens, 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 viens avec moi. C'est ton collègue. C'est à qui c'est 20 euros? C'est à moi pourquoi? Et c'est quoi ça? Ça? C'est quoi? C'est ça, c'est tout quoi, ce qui est. C'est un film? Ouais, ouais, c'est. Rigole, rigole, tu as été filmé depuis le début. Viens avec moi, de quoi tu parles? S'il te plaît. Frérot, viens avec moi. De toute façon, regarde, je t'explique, tu pars, on a tes images, j'en ai rien à foutre. Image de quoi? On a toutes les images de ce que tu as fait à Simon, que tu l'as mis par terre et tout. Simon, non. Mets là à l'endroit. Simon, elles sont à... Simon, elles sont à l'envers. Mets là à l'endroit. Simon. Non, ça lui va bien comme ça. Ah, arrête de foutre sa gueule, frérot. Arrête de foutre sa gueule. Arrête de foutre sa gueule. Arrête de foutre sa gueule. Déjà, dis à l'autre qu'il arrête de filmer là. Simon, est-ce que ça va? Ça va, Simon? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est lui qui t'a pris les sous? C'est lui qui t'a pris les sous? Tu peux me rendre les sous, s'il te plaît? Donne-moi ces sous. Ça va, ça? Tu sais qu'avec les images qu'on a, on peut aller porter plainte. Sa famille, elle te connaît en plus. Comment ça, ils me connaissent? Mais ils te connaissent, vous avez. T'es dans le même endroit, ils te connaissent. Donne-moi les sous, rends-lui les sous, s'il te plaît. Rends-lui les sous. S'il te plaît, je te demande gentiment. Non, tu lui as pris. Tu l'as mis par terre et tu lui as pris. Rends-lui ses sous, vas-y. Rends-lui. À lui. C'est pas moi. Vas-y, Simon. Vas-y, Simon. Non, écoute-moi, écoute-moi. On va pas s'arrêter là. Sa mère, c'est sa mère qui nous a contactés parce que nous on fait des vidéos, tu vois, sur internet et on piège des gens comme toi. Et en fait, sa mère elle nous a contactés parce qu'elle nous a dit qu'il y avait un fils de p. A priori, le fils de p c'est toi et tu fais du mal à un handicapé et tous les jours tu lui prends de l'argent. Et sa mère elle en a marre. Donc maintenant on fait comment? Parce que j'ai pas envie de m'emboucaner avec toi. Sa mère elle veut pas s'emboucaner non plus avec toi. C'est pas grave, Simon. C'est pas grave. Il s'est lâché. Simon, Simon, c'est pas grave. Pourquoi tu parles comme ça? Il est handicapé, tu comprends alors, qu'il est handicapé dessus. Donc moi je t'explique, j'ai 1 million de personnes qui me suivent. Et alors? Si je mets ton visage sur internet, tu peux te cacher jusqu'à demain. Depuis tout à l'heure on t'a filmé, on t'a vu. Donc ça sert à rien. Non mais non. Ben, tu t'en bats les couilles. T'es sûr que tu t'en bats les couilles? Qui je sais pas combien de personnes qui te voient. Déjà qui c'est qui te donne le droit de mettre mes yeux? Mais toi qui c'est qui te donne le droit de... Tu sais que ce que tu fais là, c'est de la plus de confiance, c'est du harcèlement, c'est de l'intimidation et c'est du vol. Pour ça, n'importe quoi, c'est lui qui me donne les sous. Comment c'est lui qui donne les sous? C'est toi qui l'as mis à plat ventre. Tu l'as mis par terre, tu l'as fouillé. Tu lui as pris ses chaussures. Pourquoi là, tu lui as pris ses chaussures? Pourquoi tu lui as pris ses chaussures? Mais pourquoi tu fais ça? Ça, je comprends ça, pas. Ça, bah, raquette-moi, moi, vas-y. Raquette-moi, moi. Moi, j'ai des sous, j'ai un iPhone. Vas-y, prends, regarde, c'est tout là. Tiens, vas-y. Allez, vas-y, prends. Non, parce que tu me les donnes pas. Hein. Non, vas-y, fais comme lui, mets-moi par terre, vas-y, raquette-moi. T'as dit avec lui, c'est facile. T'as des sous pour moi? Mais t'as dit qu'avec lui, c'est facile. Bah ouais, je lui demande des sous, il me donne. Simon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pourquoi je le raconte? Simon! Lève ça, arrête! Arrête! Simon, arrête! Simon, arrête! 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 Pourquoi tu rigoles? Tu vois pourquoi je lui prends les yeux? Il est handicapé! Je crois qu'il sait ce qu'il fait! Bah, est-ce que tu crois vraiment qu'il sait ce qu'il fait? Simon! Fantin, je t'ai dit de rester avec lui! Je t'ai dit de rester avec lui, ouais, mais je sais! Simon! Simon, va là-bas! Non, je te les ai donnés dans ta poche, t'es méchant! Tu vois pas, la première fois, il m'a donné les sous! Il croyait acheter le tabac, je lui ai donné une cigarette, il m'a donné 20 euros. Et toi tu lui as pris les sous? Et toi tu lui as pris? Bien sûr. Ah d'accord, mais c'est ce que je dis, c'est de l'abus de faiblesse. Alors mon ami, que quelqu'un dans la rue, il te donne si c'est un handicapé, si c'est un handicapé, je vais l'aider, je vais pas le voler. J'en ai rien à foutre. D'accord, mais ça se voit. Non, le sait, on a compris. Non, mais non, regarde, je t'explique, un truc simple. Pars, on va mettre les images sur internet et basta. C'est bon? Non, non, mais il y a pas de diffusion. Ah oui, ouais. Oui, bien sûr qu'il va y avoir une diffusion, tu crois quoi? Tu parles aux gens, combien de fois tu l'as volé? Mais combien de fois tu l'as raquetté? Ah, j'ai pas de preuve, mais là j'en ai une, elle peut t'envoyer en prison. Peut-être tu l'as volé 100 fois, 1000 fois, j'en sais rien, tu vois. Mais sur ces 100 fois, on t'a chopé une fois. Et alors? Et bien cette fois-là, ça a été la fois où il fallait pas te choper. Ouais, mais sauf que tu peux rentrer en prison, tu comprends? Il est où Simon? Il est parti là. Il est là-bas, ce fou là. Simon! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Non, 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 pas par là, descends pas. Non, 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 non. Toi, si tu pars, je mets tes images sur internet. Simon. Simon, pas par là. Simon, pas par là. Viens ici. Viens. Doucement, doucement. Viens. Allez, doucement, doucement, doucement. Doucement. Pourquoi tu voles un handicapé? Pourquoi tu te mets là tous les jours? Tu le voles, tu le voles, tu le voles. Mais si, tu le voles. Ok, Simon.
Arrête. Hey. Simon, stop. Simon. Maintenant, stop. D'accord? Écoute. Moi aussi, j'ai besoin de cigarettes, hein, donc voilà. Bon, ça va, apparemment, tu comprends pas, ça vient de parler avec toi, allez, viens avec moi, viens. C'est simple. Bon, je t'explique. Soit, voilà, on va trouver un arrangement, soit ta tête, je vais la mettre sur une table. L'arrangement, eh ben, il a récupéré ses sous, voilà, c'est bon. C'est pas l'arrangement, ça. Ça fait presque une demi-heure qu'on parle, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Donc, soit, on trouve un arrangement. Vas-y. Ou on se casse, on met l'image sur internet. On fait quoi? Mais je sais pas, tu veux que je m'excuse? Tu veux quoi? Je veux quoi? Bon, les amis, on a trouvé un arrangement. Donc j'avais pas trop d'idées, après ben, je me suis dit je vais aller au magasin où j'achète des déguisements et je vais forcément trouver un déguisement qui lui correspond le mieux. Et effectivement, quand je suis allé dans le magasin de déguisement, putain, j'ai vu le truc, il m'a sauté aux yeux, je dis mais c'est lui, c'est son clone, c'est son portrait craché. Je vous présente aujourd'hui Tubeman avec une grande tub. Mais c'est pas fini les amis, mais vous voyez cette prise USB, elle se branche à une batterie portable. Et dès que je vais brancher cette batterie portable, notre ami va devenir tout dur. Bah vas-y, t'as fini ton cirque là. Tiens, je te la fais cadeau, je te la donne. Regardez. Tubeman. C'est bon, ça y est, t'es content, tiens ta vidéo. Tu vas recommencer de faire ce que tu as fait à Simon? Non, vas-y, détache-moi maintenant. Ça va, je te détache. Je vais prendre un couteau, je reviens. Ok? Détache-moi maintenant. Ouais, j'arrive. Il faut que j'aille prendre un couteau. Je vais prendre un couteau. Pourquoi t'as pris un couteau? C'est mieux. Non, j'ai trop serré fort. Ouais. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Oh, détache-moi. Et voilà, si vous voyez un handicapé, si vous voyez des gens dans la détresse, aidez-les. Si vous voyez quelqu'un agresser un faible, aidez-les. Ne restez pas sans agir, c'est ça le message que je vais faire passer, c'est très important. Parce que sinon vous risquez de vous retrouver comme Tubeman, accroché à un arbre, en étant tout dur. Bref, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne secondaire. C'était Kamoff, gros bisous à tous. Ciao. On va te détacher là. Le chien, comme chien.